De populairste politicus van Frankrijk is Marine Le Pen, frontvrouw van het Front National. De partij haalt in peilingen momenteel al 30%. En ze is hier bij ons vanavond op bezoek bij het Vlaams Belang om te spreken over de vluchtelingencrisis. Moi, j'annonce que si on ne fait rien, compte tenu du fait que le vivier de gens qui veulent venir chez nous est inépuisable, eh bien, ce seront des millions de personnes qui viendront pour s'installer dans nos pays, au risque, évidemment, de désintégration, de déflagration de nos sociétés. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Extreem rechts hoopt bij ons, net zoals Le Pen in Frankrijk, garen te spinnen uit de vluchtelingencrisis. Met forse taal, Europa is een supermarkt van sociale rechten geworden, zegt Le Pen. Et vous dites, ce sont surtout des réfugiés économiques. Peut-être on peut des jeunes hommes, mais peut-être c'est bien qu'ils veulent travailler ici. Oui, mais moi, excusez-moi, mais moi, mon rôle de responsable politique, c'est de donner du travail à mon peuple. Or, en France, j'ai 7 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Donc, ces gens arrivent, nous n'avons pas d'emploi à leur donner, nous n'avons pas de logement pour eux. Il y a 1,5 million de foyers français qui attendent un logement social. Nous n'avons plus la possibilité ni de les soigner, ni de les éduquer, car notre système de protection sociale est déjà en train de se noyer. Grenscontroles zoals hier in Duitsland zijn onvoldoende. Ook zware controles aan de Europese buitengrenzen volstaan niet, klinkt het. Alles moet dicht, ook al kunnen we dan niet meer vrij reizen en verliezen we economisch aan. Schengen a été une erreur majeure et Schengen ne nous autorise pas aujourd'hui à protéger nos pays, à décider qui entre chez nous, qui se maintient sur nos territoires et même d'ailleurs à nous protéger d'actions violentes du type terroriste. On a quand même vu dans les attentats qui ont frappé la France des Français aller chercher des armes en Belgique et passer très tranquillement une frontière qui n'existe pas. Nous ne pouvons plus supporter cette situation.